Et de son côté, le MR, dans l'opposition au gouvernement wallon, a une autre solution à cette problématique du logement social. Ugongo a suivi une délégation libérale à Reims, en France. Une société privée gère plus de la moitié des logements sociaux. Une gestion exemplaire, dit le MR. Ces logements sociaux sont visiblement entretenus et propres. Pourtant, ils sont loin d'être neufs, ils ont été construits parmi les premiers de Reims, juste après la guerre. Mais ici, les fenêtres ont été refaites, les chaudières changées. L'entrée a également été réaménagée avec des interphones. Autre caractéristique de ces logements, ils sont gérés par l'Effort Rémois, une société privée. Malgré un pourcentage de logements sociaux très important sur Reims, on a toujours porter une grande attention à l'entretien du patrimoine et on a mis beaucoup d'argent dans l'entretien du patrimoine. Donc ce qui fait qu'on a moins de difficultés aujourd'hui à gérer le parc puisqu'on a fait un entretien en continu. Le MR qui a visité ces logements parle d'une gestion exemplaire et compare cette situation à une Wallonie qui doit injecter des sommes importantes pour rénover une partie seulement de son bâti. Selon le MR, de substantielles économies sont réalisables. Une société gère 22 000 logements. Chez nous, on est à 70 sociétés pour 100 000 logements. Faites le compte, on voit qu'on a une multiplication qui entraîne des frais. Trop de directeurs, trop de structures. Ici, ils ont rationalisé. L'Effort Rémois gère quelque 22 000 logements sur Reims. Un peu plus de la moitié du parc immobilier social se trouve aux mains du privé. J'ai quand même regardé les comptes durant cette matinée par rapport à ce que nous vivons dans certaines sociétés de logement public. Eh bien, les déficits qui sont parfois chroniques et très lourds pour une grande partie de nos sociétés de logement public ici n'existent pas. Donc je crois qu'il y a un enseignement à en tirer. Dans ces logements, on souligne aussi l'importance de la mixité sociale. Mais à la ville, on ne voit pas tout à fait les choses de la même manière. Un office public a vocation, je le répète, à accueillir toutes les personnes, tous les locataires, quel que soit son niveau de vie ou autre. Il doit, c'est moins le cas sur les organismes d'ordre privé, puisqu'il y a une sélection naturellement dans l'attribution des logements, et donc par conséquent, moins de contraintes pèsent sur les organismes privés. Certes, le modèle n'est sans doute pas transposable sans adaptation, clame le MR, mais il a en tout cas séduit les parlementaires.